dites-moi un peu les filles, est-ce que le métier de votre copain ou de votre mari c'est important? Ah oui. Oui? Bien sûr. Pourquoi? Bah, il y a des métiers qu'on va pas accepter, genre... Donner n'est pas donné, de donner n'est pas donné, de donner n'est pas donné, qu'est-ce ça? Donner, de donner n'est pas donné, de donner n'est pas donné, de donner n'est pas donné, qu'est-ce ça? Déterminé sur la tête de ma remée. Si tu veux me soutenir, abonne-toi et active la cloche. Bon visionnage. Le mec qui travaille en boîte, il est viseur, on va pas tout. C'est mort. Tu vois. Bah, c'est mort. Oh les bâtards. Pourquoi c'est pas illégal? C'est illicite. Illicite? D'après qui? D'après le théorème de Feriel. De Feriel? C'est-à-dire, on comprend pas nous. Explique-nous un peu. C'est illicite. C'est illicite, de travailler en boîte. Moi j'ai des critères et du coup ça marche pas. Si tu travailles en boîte, ça marche pas. Même serveuse en boîte ou ouais, tout ce qui est monde de la nuit. Monde de la nuit. Monde de la nuit? Ouais. Et restauration? Monde de la nuit, après 21h. Après 21h, c'est mort. Voilà, c'est mort. Et toi? Moi, j'ai aucun problème. Aucun problème? Aucun. C'est les gars, les boeurs ou... Tout ce qu'il veut, tant qu'il se respecte, moi, ça va. Policier? Policier, n'importe. N'importe. Tout métier se respecte. Aucun métier que je peux pas accepter? Non, il n'y en a aucun. Aucun? Si, escort boy. Logique. Escort boy. Ah, c'est pas un métier reconnu, moi, je parle un vrai métier reconnu. Ah non, non, franchement, j'ai avec aucun un contrat, problème. Tout ça. Non. Pas illégal. Non. Après les dealers aussi, c'est chaud. Ça, c'est illégal. Ben voilà, mais tout ce qui est légal, franchement, non. Tout métier se respecte, comme je viens de dire. Okay. Qu'il soit éboueur ou médecin, normalement, ça doit le faire. Ça marche. Est-ce que le métier de ton gars, c'est important? Le métier qu'il fait. Faut que ce soit quelque chose qui lui plaît. Qui lui plaît? Oui. Toi, si ça te plaît pas. Ah, ça dépend, c'est quoi comme métier? Je sais pas, moi, genre, il est. Il travaille en boîte, il est barman. Non. Il travaille torse nu. Non. Chantilly des fois, hein. Elle est bien payée. Non, un truc comme ça. Je préfère qu'il fasse un autre truc et qu'il soit moins bien payé. T'as dit que du moins que ça le plaît. Ouais, mais. Lui, il est à l'aise, lui. Ah, mais faut pas que ce soit ça qui lui plaise. Hein? Faut pas que ce soit ça qui lui plaise. Non, lui, il aime l'ambiance. Ah, ouais, non, bah non, alors. Non? Non. Pourquoi non? Parce que faut pas que c'est ça qui lui plaise, quoi. Ok, et si genre il travaille à la morgue, tout ça. Toute la journée, il voit des morts, quand il voit la maison, bah il est triste. Bah, je préfère ça carrément. Ça. Est-ce que le métier de ton gars ou de ton futur mari, ça compte? Non. Le métier, c'est pas important? Non. Bon, à part s'il est stripteaseur, c'est bizarre ça. Stripteaseur? Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Moi, je pense à ça directement. Non, mais c'est bizarre s'il est stripteaseur. Pourquoi tu penses à ça? Je sais pas, genre, c'est ça, c'est un métier. C'est le premier métier que tu as en tête? Non. Ouais, c'est le premier métier que j'ai en tête. Moi, aucun métier me dérange, mais s'il est stripteaseur. Si les braqueurs. C'est pas un métier, hein. Braqueur, c'est pas un métier. Stripteaseur, c'est. Ouais, si, c'est un métier, c'est un métier. Il y a les contrats, tout ça, ouais. Mais pas braqueur. Pas braqueur. Tu crois qu'on est pas dans. C'est important. Oui, non, mais c'est pas important, ça. Enfin, à part stripteaseur, mais sinon, c'est pas important. Ok. Non, métier en vrai, peu importe. Non, pas peu importe. Non, pas peu importe. Les trucs illégaux, j'accepte pas. Si c'est illégal? Non. Quand même pas? Non. Bah, je veux travailler dans la sécurité, dans la métier de sécurité. C'est pas si, c'est, si c'est légal. Ah, si c'est légal, oui. Oui? Oui. Alors, s'il travaille à la morgue, tout ça. Ça dépend. En fait, ça dépend du métier. Ça dépend. Quel métier tu pourrais pas, toi? Dileuse. C'est logique. Dileuse? Ouais. Même un vrai métier avec un contrat. Avec un contrat? Ah, je sais pas, éboueur. Quelle humiliation! Éboueur, tu pourrais pas? Non. Tu peux pas un mec qui éboueur? Non. Zareux? Ouais. Pourquoi? Ça pue. La place de la femme, c'est à la cuisine! Ça pue! Aïe! Damn! Ça pue! Ça pue! ça sent! T'as peur d'arriver chez toi, qu'il arrive chez toi, après ça. Mais non, ça mais. Le foin! Oui, ben voilà! Je dirais que je vais chemise, costard, tout propre. Ah, tu vois un mec qui a un travail avec voilà, une chemise, costard. Et tout. Un bureau. Voilà. Ouais. Un mec qui travaille dans tout ce qui est manuel, c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. C'est bien pour la planète, mais après, c'est pas bon pour moi. Est-ce que le métier de ton homme, c'est important? Non. Non? Non, tant qu'il a de quoi, comment dire, s'entretenir et si on est marié, du coup, m'entretenir, ça. Entretenir aussi? Bah oui. Entretenir lui et toi aussi? Oui, bah ouais. Et s'il arrive pas, genre?
Bah, s'il n'arrive pas, s'il veut changer, il change. Et puis s'il n'y a pas d'épaule, moi j'aiderai. Tu l'aiderais? Bah oui. Ça, n'importe quel métier il fait? Bah oui, après, c'est un métier bizarre, non. Ah, mais un métier avec un contrat qui n'est pas illégal, tout ça. Ouais, un métier avec un contrat, pas de souci. Pas de souci? Ouais, tant qu'il n'est pas stripteaseur, c'est bon. Il travaille au cimetière, tout ça, là. Bizarre un peu. Hein. Bizarre, hein? Ouais. Donc, du coup, ça compte, le métier, alors? Vas-y, bizarre, mais vas-y, c'est un métier. T'accepterais, toi? Ouais, j'accepte, s'il touche bien. Quelle humiliation! Quelle humiliation! S'il touche bien! Moi, c'est rien, parce qu'il serait dans un cimetière, mais s'il touche bien, c'est bon. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce que pour toi, le métier de ton copain, c'est important? Non, pas du tout. Enfin, c'est important? Si, un petit peu. C'est important? Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve que. Vu que je vais rentrer dans la police. Dans la police? Dans la police, du coup, bah. Imagine, il fait des trucs pas très légaux. Si c'est légal. Si c'est légal, ouais, pourquoi pas? Mais qu'il gagne un bon salaire. Voilà. Donc, tu t'en fous du métier, du moins qu'il gagne un bon salaire? Ouais. C'est important ou pas? Un peu. Un peu? Ouais. Il y a des métiers que tu pouvais pas? Ouais, honnêtement. Comme quoi? Bah, j'ai pas envie de citer un métier en particulier, mais. Je veux pas blesser les gens. Exactement, mais non. Mais quel métier tu pouvais pas, toi? Sortir avec un chanteur. What? Un chanteur? Un chanteur. Pourquoi? Un petit rappeur de. Un petit rappeur? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, c'est pas ma carte. C'est signe de quoi? C'est pas mon délire, c'est tout. Pas ton délire? Non. Dis-moi un peu, est-ce que le métier de ton gars ou de ton futur mari, c'est important? Non. Non? Pourquoi non? Bah, s'il participe à la maison, c'est pas important. Ça veut dire participer, tu penses à quoi? Aux frais de loyer, aux courses, c'est pas important. Ok. On arrive doucement, rien que fume tout seul, faut pas finir tout seul, à 47, fais péter le 12 grammes.